Que nous évoquent les champs de blé? Serait-ce plutôt les peintures sauvages de Courbet, les toiles électrisantes de Van Gogh ou l'actualité tumultueuse de notre monde d'aujourd'hui? Pour Pierre-Luc Bartoli, nul besoin de trancher. L'artiste, toujours sur le fil, nous livre ici une série troublante, mêlant les temporalités dans des toiles aussi écorchées qu'elles sont solaires. La galerie Cyril Guarnieri orchestre une exposition magistrale autour de la nouvelle série de cet artiste virtuose, ici, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, déployant de manière exceptionnelle deux adresses pour accueillir ces toiles monumentales. Nous redécouvrons l'artiste, habité par un nouveau motif qu'il puise dans les paysages du Grand Paris qui entourent son atelier en Seine-et-Marne. Un choc visuel qui occupe bientôt toutes les pensées du peintre et que Pierre-Luc Bartoli décline dans une trentaine de toiles d'une rare intensité chromatique. Une nouvelle obsession picturale, non sans rappeler les toiles de maître des siècles passés, métamorphosée ici en un sujet terriblement actuel, bouleversant nos perceptions par sa palette tourmentée et son expressivité éminemment contemporaine. Dans ses tableaux saisis à vif, l'artiste cristallise l'image d'une nature exaltée, à la merci des éléments. Le vent souffle, le ciel s'obscurcit, tandis que Bartoli malmène la matière, empâtée, raclée, incisée, frottée, donnant vie à des champs de blé et d'orge d'une inquiétante beauté, signant ainsi le nouveau point d'ancrage de son œuvre.